Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui, hein, quand nous allons parler d'un sujet qui a intéressé presque tout le monde. C'est de aimer à fiancer et puis de fiancer à marier. Comment le processus tailler, comment ça y est. Aimer son mariage tout bon que lui. Ou prêt pour aimer, ou moins de bon Dieu de chercher au monde, et puis ou entrer dans aimer. Remé pas doué excédé paquet là mérité la premier fin tigre mon apremé on veut on le pour 2 ou 3 ans maximum c'est pour fiancer à fia 3 ans même trop même 2 ans c'est bon parce que pour te remé là et puis fiancé jusqu'à être 1 an même fiancé et puis après fiancé à 1 à 2 ans encore c'est le mariage comme dit il y a un préparatif qui pour fait on pas rentrer dans le mariage et puis ou pas qu'à subvenir à besoin madame ou on va dire bon c'est pas eux même seulement qui car oui mais qu'on est garçon c'est le chef madame non c'est le chef dans foyer en toute responsabilité à bon j'étais balé puis j'allais dedans c'est sous d'autres garçons chita parle des timons qui parle fait taler comme ça toute bagaille ça haut faut que on préparation pour maturité économique aussi pour rentrer dans le mariage on va rentrer dans le mariage sous compte parents et sous compte amis et pas oublier on va le remet pour le vivre tant que c'est marié ou t'es marié pour vivre dans la débauche jeune garçon jeune fille nous pas cap vivre dans la débauche ou très maman ça je dis à ou quitter mais ça doit demain ou quitter mais ça demain ou quitter non c'est pour aider on est bon déjà faire un choix il leur fait choix surtout même jeune fille pas larguer quand nous bail on pas gain doit larguer quand nous bail c'est pour nous rester dans la chasteté et puis bon Dieu lui-même à vos yeux sur nous, bon Dieu lui-même aime ça et l'a conduit nous, l'a conduit foyer nous. Ecclésiaste lui-même nous connaît que Salomon, il t'a fait paquet de balles, il t'a fait tout sa Dieu le t'a que le fait le faire. Et nous connaît Salomon t'est détourné de l'Éternel à cause de pile fille que le t'a venu gagner, fille ça lui fait lui mettre le lancer le balle, pas doué et fait adorer faux Dieu. Et c'est comme ça qu'elle perd du bout de lui. Hein? Après ça, lui, nous voyons que tout ça qu'elle t'a fait, tout c'était vanité, elle va être rien. Elle va servir là à rien. Et il écrit le livre de l'Ecclésiaste, ça c'est dans le grand monde. Et le dernier chapitre là, ils ont une parole que avec, mais c'est ça va quitter. Hein? Il dit comme ça que, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et loin le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Et là, nous quittons nouveau aujourd'hui, que mon Dieu bénisse.